Reine de cœur et valet de trèfle. Ça s'est bien passé. Y a rien de pire qu'un divorce. Divorce jamais, mon vieux. Et Faye dans tout ça? Oh, tu connais Faye. C'est un brave petit soldat, je l'ai jamais entendu se plaindre. C'est elle qui s'occupe du partage. Elle fait moitié-moitié. Oh, et puis merde, si après 15 ans de mariage, j'arrive pas à lui faire confiance, c'est que je me suis gouré depuis le début. Et ton fils? Qu'est-ce qu'il devient dans cette histoire? C'est tout juste s'il m'a vu 6 mois en 5 ans et demi, alors. Tu as perdu. Oh, j'ai l'habitude. Habille-toi, on va être en retard. Mes chers amis, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer la présence parmi nous de l'homme qui tient l'avenir de notre pays entre ses mains. Cet homme plein d'énergie, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Vous avez reconnu notre prochain candidat, notre futur président de la République, sénateur Carlos Galán. Don Orlando est un grand ami. Mais le portrait qu'il a fait de moi est trop flatteur. Si vraiment j'étais tel qu'il m'a décrit, je ne serais pas dans la politique. Mais il est exact que la Colombie a besoin d'un homme responsable. Notre pays est un grand pays dynamique en route vers le progrès qui est appelé à jouer un rôle majeur en Amérique latine. Nous devons relever les défis du XXe siècle et nous le ferons malgré nos difficultés. Bon, voilà ce qu'il en est. Dites-nous ce qui a été décidé. Washington va réunir une chambre d'accusation pour procéder à l'inculpation de Pablo Escobar et de ses lieutenants au nom de la justice américaine. Si on arrive à les coincer, on aura la possibilité de les faire passer devant un de nos tribunaux. Ça évitera peut-être à vos juges de se faire massacrer. Ils seront condamnés et ils passeront le reste de leur vie dans un pénitencier fédéral parce qu'on ne s'évade pas d'un quartier de haute surveillance. Ça, c'est le programme. Mais notre plan repose sur ce point précis. Est-ce que la Colombie est prête à extrader ces trois hommes? Vous voulez savoir si le président Barco est assez fort pour les faire extrader, c'est bien? Ce n'est pas si simple. Le cartel a déjà donné sa réponse. Mieux vaut une tombe en Colombie qu'une cellule en Amérique. Et leur seul langage, c'est du 9 mm et des voitures piégées. Si Barco donne l'impression d'avoir cédé aux Américains, le cartel va s'en donner à cœur joie. C'est une question de rapport de force et de fierté nationale. Je sais que je suis un étranger. Je n'ai donc pas de conseils à vous donner. Mais j'ai le sentiment que vous avez suffisamment perdu de temps et qu'il est trop tard pour ces considérations. Vous devez clarifier votre position. Soyez plus clair. Ou vous acceptez de les extrader, ou vous les condamnez vous-même en Colombie. Il faut trouver un juge pour ça, et surtout, il faut le protéger pendant tout le procès. Notre peuple est pratiquement persuadé que la justice, la police et l'armée n'oseront pas s'attaquer au cartel. Escobar et Gatcha n'ont jamais eu de compte à rendre. Ils se sentent au-dessus de la loi. Ils vont et viennent, ils reçoivent, ils donnent des dîners. Et pendant ce temps-là, leurs mercenaires s'entraînent librement dans les faubourgs de Medellín. Ils se conduisent comme des chefs barbares dans un pays conquis. Il faut faire cesser cette mascarade. Tout le monde doit comprendre que cette période est terminée. Notre problème peut se ramener à ceci. Est-ce que c'est Barco et le gouvernement colombien qui dirigent ce pays, ou est-ce que nous nous soumettons au cartel? Feliz Navidad, señor. Feliz Navidad, Elena.
père est mort un héros, mais il n'était pas un héros. Il aimait la vie, et il avait peur de la mort. Mon père n'était pas un homme parfait, mais c'était un homme de principe. Orlando Sarmientos a été assassiné par la main des narco-terroristes. Aujourd'hui, devant le cercueil de mon père, en son nom, et pour que son combat n'ait pas été mené en vain, j'en appelle au président de la République, au général Osario et à tous les membres du gouvernement. Il faut tout mettre en œuvre pour que les vrais coupables soient châtiés comme ils le méritent. Nous le devons à la mémoire de mon père. Vous connaissez Señor Pérez Vega? Nous nous sommes croisés une fois, je crois. Nous avons trouvé votre juge, Thomas. Elle va se charger de l'enquête sur l'assassinat d'Orlando Sarmientos. Mais enfin, c'est une plaisanterie! Si elle accepte de mener l'instruction, c'est elle qui sera amenée à dresser l'acte d'accusation. Nous devrons respecter la procédure habituelle et il faudra attendre ses conclusions. Vous savez très bien ce que je veux dire. On a besoin de John Wayne et vous m'amenez Liz Taylor. Vous n'êtes pas d'accord sur le casting? Je voudrais vous présenter Monsieur Vaughan, signora. Nous nous connaissons déjà. Ravi de vous revoir. Veuillez nous excuser. Con su permiso. Vous lui avez déjà dit? Non. Alors il nous reste plus qu'à trouver quelqu'un d'autre. Non, Thomas. C'est elle. Autant dire qu'on renonce tout de suite. Même si elle était ceinture noire de karaté, ça me serait égal. Cette femme n'a pas une chance sur 100 de mettre la main sur l'assassin d'Orlando Sarmientos. Vous allez vous déconsidérer. Allô, bonjour. Pablo Escobar est un homme de bien. Le peuple colombien lui voue un grand respect. Il a beaucoup fait pour sa patrie. Il est tolérant et généreux. Mais il n'aime pas qu'on vienne lui casser les pieds. Continuez votre enquête et vous saurez ce que ça veut dire. Mais qui êtes-vous? Je ne comprends pas un mot de ce que vous me dites. Vous commettriez une erreur en acceptant n'importe quel dossier. Pensez à la vie de votre mari. Pensez à votre famille. Personne ne peut nous échapper. Vous entendez? Personne. Sonia? Qui êtes-vous? Pensez à Laura Bonilla. Pensez à l'ambassadeur Parero. Pensez à Orlando Sarmientos. Ils ont tous été prévenus. Nous ne frappons jamais en traître. Et nous tenons toujours nos promesses. Général. Bonjour, madame. Suivez-moi. Asseyez-vous. Comment avez-vous reçu ces menaces? Par téléphone. Ça ne doit pas vraiment vous surprendre. Effectivement. M'asseyez-vous, je vous en prie. Je vais être franc avec vous, mais c'est une décision qui va changer votre vie. Si vous choisissez de faire votre devoir jusqu'au bout, si vous réussissez à retrouver le vrai coupable, c'est-à-dire Escobar ou un des dirigeants du cartel, ils feront tout pour vous tuer. Et vous en avez parlé à votre mari? Alonso, c'est un homme merveilleux, il sera avec moi, quelle que soit ma décision. Et vous avez le droit de refuser. Il n'y a pas de honte à avoir. Et c'est peut-être plus raisonnable. Et c'est certainement beaucoup moins dangereux.
Je n'ai jamais eu la prétention d'être une femme courageuse. Et si je dis oui, par quoi est-ce qu'on commence ? D'abord, je vous présente à votre garde personnelle. Nous continuons donc à diversifier nos prises de participation dans toute l'Asie du Sud-Est et nos placements dans cette région se sont révélés plus lucratifs encore que je ne l'espérais. Durant les mois de septembre et octobre, nous avons acheté des propriétés à Singapour. Nos actifs dans la région se montent à plus d'un milliard de dollars et je pense les tripler d'ici l'année prochaine. Ou les doubler si on ne peut pas faire plus. Donc de ce côté, rien à craindre. La conjoncture européenne est tout aussi prometteuse. Nous disposons d'ores et déjà de plusieurs milliards dans des comptes en Suisse, au Luxembourg et au Liechtenstein. Ils sont en sécurité. Malheureusement, ces comptes ne rapporteront que peu d'intérêt et en cas de besoin, ils sont relativement peu maniables. Je suggérerais donc de les placer sous forme de capitaux immobiliers en Allemagne fédérale pour deux raisons. L'économie allemande se porte de mieux en mieux, il n'y a aucune inquiétude à avoir et le marque est une valeur sûre. Une fois installés là-bas, nous pourrons aviser. D'accord. Poursuivons. La situation aux États-Unis se présente de manière moins favorable. Au cours de ces derniers mois, les autorités ont fait saisir plusieurs de nos avoirs, mobilier et immobilier. Mais ça va se calmer. Je crois qu'il faut éviter de prendre des risques pour le moment. C'est pas bientôt fini tout ce cirque. Tais-toi si t'as rien de nouveau. T'as pas bientôt fini, Vives ? J'aurais voulu discuter de notre situation en Amérique latine. Des terres que nous avons au Venezuela et au Pérou, et de nos intérêts en Colombie. En Colombie? Mais il n'y a rien à en dire. On est les maîtres de ce pays. Je ne suis pas sûr que la classe dirigeante approuverait. Monsieur Vives, si les hommes politiques colombiens se croient à l'abri, nous nous chargerons de leur expliquer qu'ils ont tort. C'est nous qui dirigeons ce pays. Avant, c'était eux. Maintenant, c'est nous. C'est tout pour aujourd'hui. Hé, hey, Juan! Ouais, la passe, là! Puisqu'on te cherche partout, t'as complètement disparu. J'étais avec la grande, celle qui a un frère curé. Elena! Ouais, chasse gardée, hein. Que tu crois? Icostro. Qui? Ton copain, Julio. Je m'occupe pas de ses affaires. Il ne t'a jamais parlé de Sarmientos? Faut penser à ton avenir, Petrosa. Oh, les tricheurs! Complètement hors jeu! Bah, de toute façon, je joue plus jamais goal, moi. Bon, on va faire un tour aux arcades, c'est moi qui paie. Non, pas maintenant. Pourquoi? J'ai pas mal de trucs à faire. Fais gaffe, toi, tu parles trop. Ouais. Assois. Je suis persuadée qu'ils ne vont pas essayer de me tuer. Où serait le défi? Je suis une cible trop facile. Donc c'est sans intérêt. Là, tu raisonnes comme une idiote. Alors change de conversation, je commence à en avoir par-dessus la tête. Non. Je ne peux pas te laisser faire sans essayer de t'ouvrir les yeux. Qu'ils auraient dû confier l'affaire à Fernandez. C'est bien lui le doyen. Pour lui, ce serait un honneur. Peut-être
Peut-être qu'ils n'ont pas confiance. Ou bien ils ne veulent pas le sacrifier. Écoute, Christina, si tu voulais que je sois terrorisée, tu peux arrêter, tu as gagné. Mais c'est pas ça qui me fera changer d'avis. Mais pourquoi es-tu aussi têtu? Juge Pérez Vega? C'est moi. Je viens d'arriver, oui. Une seconde. Allô? Oui, général. Oui, je vois. Merci. Qui c'est, celle-là? Le juge Soto est une amie. Vous pouvez parler sans crainte. Je sais qui a tué Orlando Sarmientos. C'est un petit tueur à gages. Il s'appelle Julio Marti. Il est très jeune, 16 ans, pas plus. Vous croyez qu'il acceptera de témoigner? Jamais. Et si on l'arrête, ça passera inaperçu? Ça m'étonnerait. Ils ont dû le payer. Vous savez comment? Par chèque. Il a reçu un chèque bancaire pour assassiner Sarmientos. Il me faut ce chèque. Je dois savoir de quelle banque il provient et qui l'a libellé. Ça ne te servira à rien. Toutes les banques sont à leurs bottes. Ce sont eux, les banquiers. Tu ne verras jamais un chèque qui a été encaissé. Le chèque n'est pas dans une banque. Comment le savez-vous? Julio me l'a montré. Il ne l'encaissera pas, je crois. Il le garde en souvenir. J'arrive pas à y croire. Il me le faut, c'est une preuve. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce chèque est important pour l'instruction. J'essayerai. Très jolie vue. Et très joli, votre bureau. Seulement, faut pas laisser entrer n'importe qui. J'essaierai de faire vite. J'ai dit à Prisco que j'étais capable de faire des livraisons, moi aussi. On bossera ensemble. On pourrait faire équipe tous les deux, puis on serait plein de fric, t'es pas d'accord? Je te jure que je saurais comment le dépenser. J'irai faire un petit tour aux States. Juste pour essayer, tu vois. Tu nous imagines à Miami avec une super Cadillac? Ça, c'est bon, non, c'est pas vrai? Je sais pas lire. Si. Il faudrait que j'en parle à personne de mon chèque. Non, parce que Prisco, il dit que je parle trop. Il n'avait pas l'air content après moi. Tu devrais faire attention. Tu crois que je me laisserai attraper? Je te jure qu'on m'attrapera pas. Et si jamais ils veulent jouer, je leur fais sauter la tête comme à Sarmientos. J'ai bu trop de bière. Julio.
3000 pesos. À peine 600 dollars et des poussières. Qui est Juan Olivares? Personne. Après, non. Il faut que j'ai accès au compte, à l'intégralité du dossier. Ordre de virement et bordereau de transfert, avis de crédit et transactions diverses, je veux tout. Il faudra aller à Medellín. Mais c'est de la folie. La banque refusera de vous aider. Il manipule des milliards de pesos pour le compte du cartel. Juan Olivares, ils ne vous diront rien du tout. J'insisterai. N'importe quel autre juge à Bogota aurait déjà détruit ce chèque, au lieu de nous l'apporter. Attendez! Vous allez vous rendre à Medellín, dans leur bastion, et vous croyez qu'ils vont vous recevoir à bras ouverts? Excusez-moi, madame, mais vous êtes vraiment cinglée. Vous n'avez qu'à renforcer mon escorte. Vous auriez 3 divisions de parachutistes que je ne changerai pas d'avis. Que faites-vous ici, monsieur Vaughan? Je vous demande pardon? C'est une simple question. Pourquoi êtes-vous en Colombie? On m'a envoyé ici pour combattre le cartel. Je suis flic et je fais ce qu'on me dit de faire. Mais vous auriez pu rester chez vous. On m'a offert une prime de risque. Il faut bien que je la mérite. Pourquoi? Je fais mon travail. Nous y voilà. J'irai à Medellín demain matin. Les banques le jeudi matin à 11h. Je suis le juge Sonia Pérez Vega du tribunal de Bogota. Ouvrez! Je vous somme d'ouvrir cette porte! Madame le juge Pérez Vega. Vous me connaissez? Vous avez crié assez fort, j'ai entendu votre nom. La banque n'est pas ouverte à cette heure-ci? Nous avons eu des ennuis d'ordinateur. Mais vous pouvez constater que c'est terminé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Vous avez un compte au nom de Juan Olivares. Vraiment? J'ai le droit de perquisitionner. Et je suis munie d'une commission rogatoire qui m'autorise à faire saisir tous les documents sur ce compte ou tout autre compte qui pourrait fournir des indications sur le meurtre d'Orlando Sarmientos. Oh, ça a l'air très important. Marco, allez me chercher ce dossier pour Madame Pérez Vega. Je suis dans mon bureau, mais je reste à votre disposition. Madame Vega, il va nous falloir un peu de temps pour rechercher le dossier que vous désirez. Plusieurs heures, peut-être. Vous pouvez attendre ici. Vous êtes notre hôte, si vous le souhaitez. Monsieur Martinez, Maria Alfonsine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas lui donner le dossier Olivares? Tu m'as bien regardé. Don Eduardo. Oui, je suis au courant. Elle est arrivée il y a 5 minutes. Elle réclame tout le dossier de Juan Olivares. Vous savez que vous n'avez qu'à moi dire, Don Eduardo, mais puis-je vous faire une suggestion? Je pourrais la submerger sous une montagne de paperasserie. Il lui faudra 10 ans pour découvrir qu'elle n'a rien à se mettre sous la dent.
Merci, vous êtes adorable, Don Eduardo. Merci. Je suis toujours ravie de pouvoir vous être utile. C'est un plaisir pour moi. Bien sûr. Je vous tiens au courant. Où est mademoiselle Alphonsine? En conférence. Ernesto, s'il vous plaît, aidez-moi. Oui, madame. Oui, c'est parfait. Je veux que ça parte avant ce soir, surtout. C'est noté. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai horreur qu'on se moque de moi. Ne vous mettez pas dans des états pareils. Maria Alphonsine, je crois qu'on ne se comprend pas. Si ça vous amuse de jouer les grandes putes, pas moi. Vous avez 30 secondes pour me donner le dossier Olivares. Sinon, je vous fais sortir d'ici menottes au poignet, je vous flanque dans le coffre de la voiture et direction Bogota. La prison pour femmes vous fera regretter le voyage dans ce coffre. Les détenus ne sont pas tendres quand on les snob. Si elles vous ont pas fait la peau au bout de 3 semaines, la dysenterie s'en chargera, ce sera affreux à voir. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits. Outrage à magistrat, obstruction à l'instruction en cours, refus d'obtempérer. Y a rien qui me ferait plus plaisir que de pouvoir vous envoyer en prison. Il ne vous reste plus que 20 secondes. C'est le dernier carton, madame. Alors fichons le camp d'ici, et vite. Oui. Je crois que vous avez un coup de fil à passer. J'espère que vous saurez les attendrir. Olivares est un prête-nom, vous aviez deviné. Mais il y a des signatures très intéressantes à côté de la sienne. Celle de Pineda, par exemple. Pineda est la femme de Pablo Escobar, c'est son nom de jeune fille. Mais il n'y a pas qu'elle sur ce compte. Toute la famille d'Escobar a prêté son nom à diverses occasions, même ses neveux sont censés avoir tiré des chèques. Vous avez la preuve qu'il a payé le tueur? Nous sommes en possession du chèque et c'est le même compte. Vous pouvez faire condamner Escobar avec ce chèque? Absolument. Association de malfaiteurs et meurtre avec préméditation. Dans 2 ou 3 semaines, Pablo Escobar sera inculpé de meurtre. Ce n'est pas encore gagné. Ça ne fait que commencer. Qui est Garrison? Trafic de drogue. Il en a pris pour 20 ans. Il est à Atlanta. Charlie l'a pas loupé. Un pote au gros bonnet du cartel, d'après lui. Et je me demande s'il raconte pas la vérité pour une fois. Il serait particulièrement copain avec Martinez. Pourquoi tu l'as envoyé promener? Je le laisse mariner. Qu'est-ce que vous savez de Martinez? C'est le coffre-fort. Mais encore? C'est le chef de la pompe à finances. 40 ans, bien conservé. Bonne éducation, diplôme en économie. Le cartel ne prend pas une seule initiative financière sans son aval. C'est pas un violent. Il aime pas les armes à feu, c'est pas son truc. Gros poisson, alors. Oui, Martinez a son importance. La machine du cartel a besoin de carburant et c'est lui le pompiste numéro 1. S'il tombe, ça va faire des dégâts. Il est sous mandat d'amener en Colombie? Non. De quoi en cause, Brad? Je croyais que vous aviez un plan en acier trempé. Vous m'avez quand même pas fait venir de toute urgence pour me demander l'âge de Martinez. Tu crois qu'Escobar et Gacha peuvent se débrouiller sans leurs copains? Non, mais si on les coince, il n'y a plus personne, et tu le sais aussi bien que moi. Mais t'énerve pas. Il est tellement mignon quand il est en colère. Tu te prends pour quoi? Pour le shérif qui part à la chasse au Dalton avec son vieux Sicou? Je bosse sur le terrain, moi. Je suis à Bogota. Je passe pas ma vie le cul sur une chaise. J'ai jamais bien compris ce que t'étais venu faire au stup. Ça te ressemble pas, Mike. Je te verrais plutôt directeur de banque dans le Missouri en train de refiler des placements bidons à de vieux clients. Je veux bien si on me laisse porter un flingue. Bon, écoutez, ça suffit comme ça. Voilà notre plan. Le cartel ramasse les petites coupures à l'appel, mais ils sont obligés de les blanchir par l'intermédiaire des banques pour les utiliser.
Mike et Charlie veulent monter une fausse filière. Ils vont faire du blanchiment pour le cartel à Los Angeles. Le problème, c'est de trouver un contact maintenant avec Martinez. Si Garrison nous a dit la vérité, je propose de l'utiliser pour prendre contact avec Martinez. Une fois branché sur le circuit, on doit pouvoir découvrir plein de choses intéressantes. Leur blanchisserie, leur plan d'investissement, leurs intermédiaires, leurs banques. En tout cas, on saura tous sur qui nous fait parvenir l'argent et où on doit l'envoyer. Tu dois collaborer avec Mike et Charlie, Tom. Je pense que tu n'y vois aucune objection. Non. Le bureau de la cocaïne dirige l'opération. Le bureau, c'est moi. C'est à moi que vous faites vos rapports. Je viens avec toi pour interroger Garrison. D'accord. J'ai déjà dit que je retournerai pas dans la cour. Si vous venez pour la promenade, les types de cheveux portes m'ont promis de me faire la peau si j'osais y remettre les pieds. Alors faites de moi ce que vous voulez, mais je reste là. Il paraît que t'as la visite. Le jour de visite, c'est hier. Hé, tu vas pas te faire prier? Lève-toi et pose pas de questions. C'est pas ma famille, ils veulent plus entendre parler de moi. Et j'ai viré mon avocat, alors faites attention. Si c'est pas légal, je me mets à gueuler comme si on venait de m'assassiner. Mais je crois pas mes yeux, si c'est pas ce bon monsieur Cerrone. Est-ce que j'avais pas dit qu'on se reverrait un jour, Mike? Je le savais. Ça ne rate jamais, j'ai un don pour ce genre de choses. La ferme le coin chez toi. C'est extraordinaire parce que j'ai justement pensé à vous en me réveillant ce matin et je me suis dit que mon jour de chance était finalement arrivé. Je suis pas d'humeur à jouer à tes petits jeux locaux. Tu as des informations qui nous intéressent et faut pas rêver, on n'a rien à t'offrir en échange. C'est bien clair dans ta tête, rien du tout. On a déjà vu mieux comme proposition. Tu connais Eduardo Martinez? Un collègue? Je vais vous dire tout ce que je sais sur ce vieil Eduardo, monsieur... Vaughan, et tu réponds à ma question. Je le connais. Et Pablo Escobar? Rodriguez Gacha? Oui, je les connais, tous les trois, bien sûr. On a fait des bringues ensemble, vous imaginez pas. On s'ennuyait pas avec eux. Escobar a une baraque fabuleuse, même qu'il possède un vrai zoo. Oui, il a des zèbres et des antilopes et une bestiole horrible, un vrai monstre. Oui, te fatigue pas, on l'a compris pour l'instant. Oui, oui, la langue, oui, la ça va, on l'a compris, tais-toi. Et Martinez, il sait que t'es en prison? Je crois pas, non. Charlie m'a piqué pendant que je faisais mon petit business. C'est pas sympa ce que vous m'avez fait, d'ailleurs. Et mon avocat... Mon avocat, il te laisse croupir ici et ça m'étonnerait qu'il puisse changer de tactique. Tu n'as aucune chance de sortir. D'accord. Donnant, donnant. On arrête de jouer et on cause. T'as encore rien donné, mon vieux? T'as des preuves de ce que tu avances? J'allais vous dire de me faire confiance, mais j'ai pas envie de retourner tout de suite dans ma cellule. Tu connais Pablo et toute sa petite bande? Oui, monsieur. T'as déjà visité sa villa? Très souvent. Alors, dessine-moi le grand salon. C'est un flic en vrai. Fais ce qu'il te dit. Thank you.
Enrique Fernandez est un porc. Il vient de me dire de ne pas venir m'asseoir avec toi. Ce serait dommage de prendre une balle perdue. C'est un sacré lâche. Moi, je suis folle. Nous sommes deux, alors. Ça veut dire? On m'a demandé d'ouvrir le dossier de José Rodriguez Gacha. On l'accuse d'avoir commandité les meurtres en série qui ont ensanglanté Medellín. Et tu vas te charger de ce dossier? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Tu as la bouche grande ouverte. C'est vraiment pas joli à voir. Mais c'est toi. Je sais. Je n'ai raconté que des sottises. Et c'est vrai qu'il y a des risques. J'ai peur aussi. Oui, je t'avoue, j'ai la frousse. Mais j'ai prêté serment devant la cour criminelle de Bogota. Je dois faire mon devoir. Et je dois le faire sans hésiter. Et j'ai une très bonne amie qui nous a montré à tous le bon exemple. Et si on essayait de parler d'autre chose? Ton cadeau, Don Pablo. Joyeux anniversaire. C'est pas grand-chose, mais le cœur y est. Tu diras à Pancho que je vais l'essayer demain en fin de matinée. Je vais te voir. Je vous suis. Martinez prétend que nos investissements à Singapour vont doubler au cours des deux prochaines années. Bientôt, nous posséderons autant de propriétés et de terrains à Singapour que les Japonais. Mais au fait, où en sommes-nous avec les rumeurs d'inculpation sur l'affaire Sarmientos? J'ai trop de travail. Normalement, je ne devrais pas avoir à me consacrer à ce genre de petits détails ridicules. Je fais confiance, tu règles ça très vite. Et j'ai rendez-vous avec Madame le juge Pérez Vega. Oui, quel est votre nom, s'il vous plaît? Jorge Vasquez. Oui, monsieur Vasquez, si vous voulez bien me suivre. Oui. Jorge Vasquez. Monsieur Vasquez, ravi de vous rencontrer. Je ne crois pas vous avoir jamais vu plaider, je me trompe? Non, mon cabinet est à Cartagena. Je ne viens que rarement à Bogota. Je vois. Alors, dites-moi ce que je peux faire pour vous. J'ai un client qui doit passer devant le juge Cristina Soto. C'est un jeune homme injustement impliqué dans une sombre histoire de chantage. Il vient d'une famille très pauvre et comme on n'avait pas de coupable. Je sais que vous êtes une amie très proche du juge Soto et je me suis dit que vous pourriez peut-être intercéder. Monsieur Vasquez, je suis effectivement une amie du juge Soto. Mais il est hors de question que j'intervienne auprès d'elle. C'est un principe absolu. Je comprends. Je regrette de vous avoir importuné. Pardonnez-moi. Bon, je crois qu'il faut faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Au revoir, monsieur Vasquez.
Monsieur Vasquez, heureusement que je vous ai rattrapé. Vous avez oublié votre mallette. Allez, encore une. Ouvre la bouche. Tu sais qu'il est comme toi. Tu veux dire qu'il me ressemble? Non, je veux dire qu'il se tient aussi mal que toi. Je serai de retour vers 3 heures. Bien, madame. Faites-lui faire sa sieste avant mon retour. Si tu peux attendre une demi-heure, je t'accompagne en voiture. Non, ce sera trop tard. J'ai un témoin à entendre. Alors? Et j'aime bien prendre l'autobus. T'as fini? T'as fini? Tiens-toi prêt. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Très bien. Rien trouvé de très confortable, mais en tout cas, vous serez en sécurité. Merci, colonel. Nous vous faisons confiance. Je suis désolé. Le fils de Christina s'appelle Sébastien. C'est le nom d'un martyr et d'un saint. Pour moi, Christina est aussi un martyr. Nous avons dissimulé les micro-émetteurs dans les bidons qui contenaient les produits chimiques, ce qui nous a permis de les suivre à la trace. D'après nos renseignements, c'est la Colombienne de Chimie, une société d'import-export, qui les a fait parvenir à Cartagena. La cargaison a été immédiatement chargée sur des camions qui ont pris la direction de l'intérieur. Et vous avez réussi à repérer les itinéraires par satellite? Oui, mais c'est un renseignement ultra confidentiel. Toutes les photos que vous voyez ici ont également été prises par satellite. Et voilà la grande nouvelle, c'est qu'on avait tort.
Leur production a été réorganisée et centralisée. La majeure partie des camions s'est dirigée dans une même direction. C'est probablement un énorme laboratoire. Ça confirme ce que je savais déjà. Tous les produits chimiques sont rassemblés au même endroit. C'est leur plus gros labo depuis Tranquillandia et il est sans doute aussi considérable, peut-être même plus. Madame le juge P.S. Vega voudrait vous voir. Faites entrer. La position officielle de mon gouvernement est de ne pas intervenir dans la conduite des opérations. Mais je crois qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion. Le cartel doit raffiner la plus grosse partie de sa production dans ce labo. Si on le détruit, on leur porte un coup très dur. Parce qu'on les touche au niveau de la production et au niveau des profits. En une semaine, l'opération sera mise sur pied et bénéficiera de l'effet de surprise. Qui est au courant à part vous, Chavez et moi? Personne. J'ai obtenu les renseignements directement de Washington. On fonce. L'enquête est terminée. Je remettrai nos conclusions directement au parquet. Vous disposerez d'un mandat en bonne et due forme contre Pablo Escobar demain ou après-demain au plus tard. J'ai presque fini de le rédiger. Si je comprends bien, je risque de me faire arrêter à tout moment. À cause de cette bonne femme de rien du tout, je ne vais plus avoir le droit de me promener dans les rues de Medellín ou de Bogota. Sans risquer de me faire arrêter par un vulgaire flic. Quelle humiliation. Je vais devoir retirer mes enfants de l'école. Je ne pourrai même pas accompagner ma fille pour choisir sa robe de mariée. Je ne pourrai plus aller au club. Il faut que je me taire comme un chien à cause de ce mandat d'arrêt. Mais comment se fait-il qu'elle soit encore vivante? C'est ma faute, Don Pablo. Mais il n'existe pas, il n'est rien, et je suis tout. Oui, Don Pablo. Je suis l'un des hommes les plus riches du monde. Cette femme doit mourir. Tu as compris? Tu l'as. Tu veux que je te dise où est situé ton problème, Charlie? Non, je parle sérieusement. Tu veux que je te le dise? Tu te sens prêt à entendre la vérité? À tous les coups, tu fais une fixation. Et tu en es encore au stade sadicanal. Quoi? Je te parie que ta mère te changeait 8 fois par jour et que tu as adoré. Et aujourd'hui, tu passes des heures aux chiottes. Je l'ai su dès que je t'ai vu. Je diagnostique une constipation phénoménale et incurable. J'ai tout fait. J'ai essayé la Gelstadt, l'analyse transactionnelle, le cri primal. Et j'en oublie. J'adore Freud, Jung et Adler. J'adore tous les psys. Ça me passait le temps quand j'étais en prison. J'avais rien d'autre à foutre. La ferme, loco! Je t'ai déjà dit de la fermer! Tu n'as pas bouclé une seconde depuis qu'on est parti d'Atlanta. J'ai été obligé de me farcir ta vie avec ta première femme et puis ta vie avec ta deuxième femme. Et j'en ai marre. Si tu prononces encore un mot, je t'arrache les poumons par le nez. Je te jure que c'est pas une menace en l'air. Tu m'as bien compris? Mais c'était juste histoire de faire la conversation. Loco! Oh, on arrive. Oh, ça y est. C'est tout prêt. Où t'étais passé depuis tout ce temps? Ça fait un an qu'on t'a plus vu. Comme si vous me connaissiez pas, Don Eduardo. Je suis comme les fantômes, je disparais, puis je reviens. Tu t'es retrouvé en tôle? Raconte-moi ça, ça m'intéresse. Je suis tombé pour une connerie, j'avais 4 grammes de coke dans ma poche. Et comme les flics commencent à me connaître, ça a failli chier, quoi. Mais j'ai fait un numéro devant le juge, et il a marché, j'ai fait 6 mois. Du gâteau! Du gâteau. Bien, t'avais une proposition à me faire? J'ai fait passer un maximum de marchandises pour vous depuis qu'on travaille ensemble, vous et moi. Jour à l'heure, jamais dans tourloupe. Non, je raconte des conneries peut-être? Probablement, mais j'écoute. Alex et moi, on connaît quelqu'un. Il travaille à Los Angeles. Et il s'appelle Jimmy Brown. Je connais pas. Vous devriez. Jimmy tient une blanchisserie pour les Mexicains. Il a un directeur de banque qui roule pour lui. Et il a les reins solides, mais ça lui rapporte pas assez. Alors comme vous dites toujours que vous manquez de filière, et comme Jimmy est un des plus rapides sur le marché aujourd'hui, et comme Alex et Jimmy s'occupent de l'affaire côté américain, j'ai décidé de vous mettre en contact. Je servirai d'intermédiaire et je prendrai le quart du pourcentage habituel. Ça, c'est ce que j'appelle une proposition. Tu te portes garant de ce Brown? C'est garanti Loco Garrison, signé et approuvé. Faut d'abord que je vois Katia Escobar. Je te contacterai un de ces jours. On l'a eu? Au revoir.
faut que tu te reposes un peu. C'est ta deuxième nuit blanche d'affilée. J'arrive. Tu ne vas pas tenir le coup si tu ne dors pas. Je dormirai quand j'aurai fini. Il faut que je travaille encore un peu. Madame Pérez Vega. Excusez-moi de vous réveiller en pleine nuit, mais on nous a signalé la présence d'un bataillon suspect dans le périmètre de la base. Je vous conseille de vous cacher. Couchez-vous sous le lit et ne bougez plus. C'est plus prudent. Tenez à Medellin. J'aurais dû y aller moi-même et lui flanquer une balle dans le crâne. Allons-nous-en d'ici. Marche arrière. Vaughan. Ils ont tenté d'assassiner Sonia. C'est pas vrai. Elle s'en est sortie? Oui, mais on a eu de la chance. Elle est en danger si elle reste en Colombie. Il faut lui trouver une cachette sûre. Je vois. C'est le sort de tous ceux qui ont essayé de faire bouger les choses dans ce pays. Ils ont dû finir leur vie en exil. Tu te trompes, Thomas. La plupart sont morts avant. Tu crois pouvoir lui trouver une planque? Oui. Je vais m'en charger. Vous connaissez Pensacola, monsieur Vaughan? Pensacola? C'est là qu'on nous envoie. Il paraît que c'est joli. Vous croyez qu'on sera heureux là-bas? J'en sais rien, mais vous le méritez. Nous sommes restés tellement distants, vous et moi, je ne connais même pas votre prénom. C'est Tom. Vous le saviez depuis le début, ce qui m'attendait. L'exil ou une balle de revolver? Oui, je crois que je le savais.
J'aime ce pays, je l'aime tellement et on m'oblige à le quitter. Vous croyez que je reviendrai un jour? Je vais sans doute être contrainte à l'exil définitif. Avez-vous un stylo, général? En présence de ces témoins et en tant que membre de la cour criminelle de Bogota, il me revient de signer l'inculpation de Pablo Escobar pour meurtre avec préméditation sur la personne d'Orlando Sarmientos. C'est à vous. C'était à Barranquilla, une sacrée nuit. Comment s'appelaient les filles déjà? J'ai jamais su. Alex Carter, voici Don José Rodriguez Gacha. Très honoré. Eduardo. C'est toi. Avec plaisir. Eduardo vient de me dire que tu voulais reprendre le travail avec nous. Oui, j'ai une affaire à vous proposer. On a un contact à Los Angeles. Jimmy Brown. C'est le gars que vous cherchez, avec lui, pas de lézard. Don Pablo! Hey! Quelle bonne surprise, si je m'attendais à ça. Tu nous manquais, loco. Mais je suis revenu et j'ai l'intention de rester dans le coin pour un bon bout de temps. Et qui c'est celui-là? Alex Carter. Voici le grand Don Pablo Escobar. Je suis ravi de vous connaître. Moi aussi. Et comment avez-vous rencontré notre ami loco? C'est une longue histoire. Oui, j'imagine. Ne restez pas debout, voyons. Merci. Je suis flatté, loco. Ah oh, non, je comprends pas pourquoi. Mais si. C'est un grand honneur de recevoir deux agents des États-Unis dans ce salon. Et je me sens flatté au plus profond de mon cœur. C'est une grande première et une grande dernière. Vous êtes fou. Je ne trouve pas ça drôle. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Écoutez, doit y avoir erreur, parce que moi, j'ai jamais rien dit contre vous. Il y a des tas de gars prêts à vous trahir pour une bouchée de pain. On raconte les pires horreurs sur votre compte. Il y en a qui disent que vous seriez prêt à vendre votre propre mère pour 3 dollars. Et moi, je vous ai toujours défendu contre ces salauds. Je suis pas un saint et j'en ai fait des bourdes dans ma chienne de vie. J'ai épousé une hôtesse de l'air qui m'a plaqué en me laissant sa mère et ses 3 enfants sur les bras. Ah, ça pour en faire des conneries, j'en ai fait. Oui, j'en ai fait, mais je suis pas assez cinglé pour oser venir ici dans votre salon avec un flic des États-Unis. Je suis con, mais pas à ce point. Oh, j'en ai pas l'air, mais moi aussi, je tiens ma peau. Bon, en tout cas, pour moi, c'est terminé. J'étais venu pour qu'on discute business, pas pour me faire insulter. On m'a jamais accusé de travailler pour les flics. Assieds-toi. Allez-y. Tu es moi? Qu'est-ce que ça peut me faire? Depuis que je suis monté dans son avion, je collectionne les occasions de dire ma dernière prière. Et avec son zinc, je ne reviendrai pas vivant. Alors allez-y, tuez-moi! Je ne supporte pas le suspense. Non, mais qui c'est ce mec? Écoutez, Don Pablo... Ça suffit. Tu te tais. Si tu as osé nous mentir, si tu t'es couché devant les flics américains, si j'apprends que ce type est un agent des États-Unis, je te fais la peau. Je te jure que je t'arracherai le cœur pour en faire des confettis. Tous ceux qui m'ont trahi sont morts. Tous. Et je n'épargnerai ni toi, ni ton copain, ni les gros bonnets de Bogota, ni personne.
J'aurais dû lui dire que j'étais réglo. J'ai pas mérité qu'on me traite comme un chien. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Il est nerveux. Il a de gros problèmes. Une masse de très gros problèmes. Mais t'en fais pas, si c'était sérieux, tu serais déjà mort. Tu le sais. Mais j'aimerais que tu m'en dises plus sur ta proposition. On a pris une suite aux Providence dans le centre-ville à Los Angeles. Et on en est à combien? On a déjà blanchi un demi-million en une semaine, mais les gros contrats sont pour bientôt. Écoutez, le cartel travaille comme une vraie multinationale, exactement comme des grosses entreprises genre ITT ou IBM. Ils vendent leurs produits, et leurs produits, c'est de la cocaïne. Ça rapporte, et c'est ça le principal. Si on touche à leur profit, on touche au point le plus sensible. Ils ne font pas de trafic pour le plaisir. Alors? L'idée, c'est de les attaquer sur trois fronts à la fois. Premièrement, on détruit les labos clandestins pour augmenter les frais de production. Autrement dit, raids aériens saisis, tout sera bon. Un laboratoire, ça va chercher autour de 1,5 million de dollars. Et il faut au moins un an pour se procurer tous les produits chimiques nécessaires. Un labo détruit, c'est un coup dur. Ils ont beaucoup stocké ces derniers temps. Ils ont des réserves pour 3 ans. Mais on sait où elles sont. Les Colombiens marchent avec nous? Osario a tout de suite donné le feu vert. Deuxièmement, on s'attaque à l'organisation financière et on poursuit leur chef en justice. Après une trop longue période de laxisme, le cartel doit comprendre que c'est terminé. Il ne jouira plus de la moindre tolérance. Et il faudra les inculper aux États-Unis et en Colombie. Impossible. Personne n'osera prendre ce risque. Toujours un mètre de retard. Escobar est sous mandat d'arrêt. Les papiers viennent d'être signés. C'est un jeune juge qui l'a inculpé. Sonia Pérez Vega. D'accord. Et troisièmement, on s'arrange pour blanchir l'argent pour eux. Et avec un peu de chance, on arrivera à remonter toutes leurs filières et à être en mesure de les détruire une fois pour toutes. Sans argent, ils ne peuvent rien faire. Ils en ont besoin pour payer les récoltes et toute la manutention. Vous croyez qu'ils vont se laisser faire sans réagir? Avec de la chance, on réussira. Et du courage. Du courage, il lui en a fallu à Pérez Vega pour tenir le coup contre Escobar. Sa meilleure amie s'est fait massacrer. Son mari a tout abandonné pour elle. Ils vont vivre en exil toute leur vie. C'est ça ou la mort. Le courage, c'est pas ça qui leur manque aux Colombiens. Le courage véritable, c'est autre chose que de passer sa vie derrière son bureau. Messieurs, je vous laisse. J'ai un avion à prendre. Commencez à me dire que tu ne viendrais plus. J'espère que Gacha et Escobar vont comprendre le message.
Messieurs, bonjour. Bonjour. Hey. C'est la règle. Non, il a raison. Laisse-le, calme. Merci. Par ici. On a un message pour Bran. Faut le voir. Qu'est-ce que c'est? C'est pas pour vous, c'est personnel. Pas question. Vous êtes chez nous ici, il faudra vous plier à nos règles. Le seigneur Martinez voudrait lui parler. Il a dit qu'il lui téléphonerait. C'est bien qu'il appelle. Rien d'autre. Vous n'avez pas l'air d'avoir pigé. J'ai parfaitement compris. Je ne vous raccompagne pas. Vamos. Mike, c'est encore Martinez. Mike. Je le prends. Seigneur Martinez. Ah, monsieur Brown, enfin. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai un problème. J'ai une somme d'argent que je ne peux pas écouler par mes filières habituelles. Vous pensez pouvoir me dépanner? Combien? 4 millions de dollars. On les recevrait quand? Ce soir. L'ennui, c'est qu'il me les faut à Panama dans 24 heures. Ils sont à Panama en 24 minutes. Si vous tenez vos engagements, je suis prêt à augmenter votre pourcentage d'un demi-point. Je vous ferai parvenir la marchandise avant 8 heures. Mais avec plaisir. Tu me passes Dave Rawlings. Ne t'énerve pas, j'ai un problème. J'ai 4 millions qui arrivent et qui doivent être à Panama demain. Ça, c'est à toi de te débrouiller et c'est pas la peine de crier. Il n'y a pas à dire où était le labo. La production a déjà une bonne semaine de retard. Nos stocks de pâte à coca s'empilent et nous n'avons pas de labo pour les traiter. Je propose d'installer les labos à l'étranger, comme après Tranquillonia. Non. Mais pourquoi? Ce serait une capitulation. Nous sommes toujours les maîtres du pays. Ils ne nous marcheront pas sur les pieds. Ils nous ont déclaré la guerre, mais ils vont le payer. Faut se montrer les plus forts, sinon ils vont se croire tout permis. Il passe sa vie à dépouiller les relevés bancaires et à faire joujou avec ses ordinateurs. T'es qu'un fonctionnaire, Eduardo. T'es pas un trafiquant. Je suis un homme d'affaires et je sais une chose. Quand les coûts augmentent, les profits baissent. Ça va nous coûter très cher pour remplacer les labos et va bien falloir sortir l'argent. On a les capitaux, mais la plupart sont placés et difficiles à débloquer. De toute façon, il faut accélérer la reprise de la production dans les plus brefs délais. Sinon, nos revendeurs iront s'adresser ailleurs et faut pas les tenter. Et tout à coup, ils cessent d'avoir peur. Ils inculpent Escobar. Ils deviennent courageux. Ils détruisent notre plus grand labo. Moi, je dis qu'il faut frapper, et frapper fort. Nous devons éliminer tous nos ennemis, sans pitié. Si on éliminait
Osario et Chavez. Est-ce que Barco oserait prendre appui sur les Américains? Osario est un proche de Barco depuis longtemps. Et très estimé par la presse. Si on l'élimine, ils vont tous se mettre à gueuler comme des putois. Et Barco sera obligé de signer le décret d'extradition. Et Chavez. Dès qu'il y a un Américain qui se pointe, c'est la panique. Qu'il essaye un peu de m'extrader, le petit père Barco. Et si je dois crever, c'est sur le sol colombien que je crèverai. Mais personne ne te demande de te sacrifier, on a tout notre temps. Nous ne sommes pas pressés, et surtout pas de mourir. Si notre extradition devenait une menace réelle, il faudrait prendre les mesures qui s'imposent. Mais pour le moment, on reste calme. On verra. C'est un signe de faiblesse. Quand nos ennemis croiront que nous sommes à leur merci, nous pourrons compter sur toi pour leur montrer toute l'étendue de leur erreur. N'est-ce pas, Don José? Arrête! Passe ton là avec moi. Je ferai ce que je veux, à qui je veux et quand je le voudrai. Bravo, jolie bagnole! Y a rien de tel que le pognon pour avoir de la classe. Ça va, loco, c'est pas le jour, je suis pas d'humeur. 10 millions de dollars qui partent en fumée, c'est normal de pas apprécier la plaisanterie. Mais je suis sûr que vous allez envoyer la note à quelqu'un. Chavez. Oh, c'est pas un petit morceau. C'est pas très bien où on va, mais si Barco signe le décret d'extradition, ça va être l'enfer en Colombie. Salut. Salut et bon voyage, Eduardo. Je suis bien chez Monsieur Vaughan. Qui est-ce? Et moi qui croyais qu'on était copains. Qu'est-ce qu'il y a, loco? J'ai croisé notre grand ami Eduardo. Il a l'air d'en vouloir à mort à un certain Chavez. Il a pas l'air d'être le seul. J'ai l'impression qu'il va se faire buter un de ces quatre. C'est un tuyau signé Garrison. Merci, loco. T'as vu? Il faut que ta mouche se pose sur l'eau en douceur. Et on recommence. Bien. Vous voulez me parler, Thomas? Comment ça? T'as la tête ailleurs. D'habitude, la pêche, ça te passionne. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Un de nos indiques nous a contactés avant-hier. C'est toi qui dois payer pour le laboratoire qu'on a fait sauter. Ils veulent te descendre. Merci. Je sais que tu te crois invulnérable, mais fais attention. Ils sont en train de devenir très méchants. Tu n'en fais pas un peu trop? Au contraire, je suis très sérieux. On joue de plus en plus gros, mais le cartel va devenir de plus en plus dangereux. Tu ne devrais pas laisser ta famille en Colombie. C'est trop risqué. Et où irait-il? Aux États-Unis. Aux États-Unis? Je ne connais personne là-bas, c'est ridicule. J'organiserai leur hébergement si tu es d'accord. Je vais y réfléchir. Et tu ne feras rien du tout. T'énerve pas, ça ne sert à rien. Et ça fait fuir le poisson. Voilà. C'est mieux. Mais ils ont pas besoin d'un 3 étoiles. J'en sais rien, 6 mois peut-être. Oui, 6 mois.
Et l'agence, elle a le droit de débloquer des fonds spéciaux, pas vrai? Ouais. Merci quand même. Non, il n'a pas d'argent, il a un salaire de fonctionnaire et c'est pas grand-chose. C'est un témoin à protéger. Ce gars est un héros national et moi je considère qu'il est beaucoup plus important qu'un petit dealer qui vous a promis de vous vendre ses complices. Tu aimais le cirque quand tu étais petit? J'y allais tout le temps. Moi, ce que je préférais, c'était l'entrée des clowns avec leur petite voiture. Elle était minuscule, comme un jouet. Quand elle s'arrêtait et qu'ils ouvraient les portes, ils sortaient tous à la queue leu-leu. Je comprenais pas comment ils faisaient. Il y avait une trappe, tu crois? Peut-être. Ce que j'aimais le mieux, c'était les dompteurs. Et l'homme volant qui partait comme un boulet de canon. Ça me rendait malade de pas comprendre le truc. Attention au train! Ne reste pas sur la voie! Tire-toi de là, mon sang! Roberto! Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Faye et toi, vous êtes de véritables amis. Et Felipa n'ira pas chez Faye, ni les enfants. Nous avons décidé qu'on resterait ensemble. J'aurais dû te prévenir, mais je ne pouvais pas deviner. Roberto... J'ai pris mes renseignements. N'en fais pas. Je ne suis pas fou. Les informateurs sont proches du cartel. Et j'ai l'assurance que les menaces contre moi et ma famille... sont imaginaires. Ne sois pas bête. Thomas, s'il te plaît. Vous avez été formidable avec nous, Faye et toi, mais c'est nous qui voulons rester. Quoi qu'il arrive, nous resterons tous unis, en famille. Tu n'as pas entendu parler? Un truc important qui s'appelle la mina di oro. Non. Ça ne devrait pas tarder. Ça t'amuse de jouer aux devinettes avec moi. C'est quoi la mina? Je ne sais pas avec certitude ce que c'est. On en parle pas mal en ce moment. Et je crois que c'est un gros coup. Pour ma part, je dirais que c'est une opération de blanchiment qui porte sur de très grosses sommes d'argent. International? Oui. Rien de très nouveau? Mais à une échelle qu'on ne soupçonne même pas. Ouvre l'œil. Mes sources sont formelles. L'opération se situe sur l'axe Panama-Medellín. C'est rapide et efficace. Thomas, c'est très important. La mine. Tant pis, mais retenez bien ce nom-là, la mine, et tenez-moi au courant. Dépêche-toi. C'est Marty. Une seconde. Oui, Marty? Argueta est là, il vient d'arriver à l'hôtel. Génial. Désolé, mon vieux, je te laisse. Argueta est sur le point de monter et à mon avis, il ne doit pas être de très bonne humeur. Je pense à toi si on tient une piste qui mène à la mina. On ne prend pas plus de précautions? Non, non, on fait comme s'il ne s'était rien passé. Écoute, on vient de te piquer 200 000 dollars et tu sais qu'il n'y a que moi qui puisse savoir où ils sont passés. Qu'est-ce que tu fais? Hé, hey, Arietta, que passe? Mais où tu vas? Hé! Hey! Vous nous accusez, mais notre contrat a été rempli. Il manquait 200 000 dollars quand votre dernier transfert nous a été crédité à Panama. Où est mon argent, Monsieur Brown? C'est votre banque à Panama qui a fait l'erreur, pas nous. C'est pas dans leurs habitudes. J'ai les reçus avec le montant exact, je peux vous les montrer quand vous voudrez. Monsieur Martinez,
Nous avons envoyé 4 millions de dollars. Si vous avez réceptionné 3,8 millions, c'est dommage. C'est votre banque qui s'est trompée, mais moi je n'y suis pour rien. Je crois qu'il est temps qu'on se rencontre, Monsieur Brown. Venez me voir à Medellin. Vous n'aimez pas Los Angeles? Je préfère un terrain neutre. D'accord. Aruba, je dois m'y rendre. Parfait. Le 23. Parfait. Va passer Margaret. T'en veux toujours à Brown, hein? Ton chef? Non, j'ai pas confiance. Pas du tout. Et Martinez a marché. Et alors? Ou vous êtes des salauds, ou vous êtes des débiles. Moi, c'est en eux que j'ai confiance. C'est pas eux qui auraient perdu 200 000 dollars. C'est qui, eux? Des vrais pros. C'est la mina, ici. Leur planque est une vraie mine d'or. Nos ordinateurs ont réussi à repérer le nom. Il s'agit effectivement de la mina ou de la mine d'or. Ça a l'air d'être important, d'après le nombreux recoupement. Ils ont leur quartier général à Los Angeles? On vérifie. Mais ils sont implantés à Atlanta et à New York. Ce sont de petites boutiques qui font le commerce de l'or ou des bijoutiers. Ça permet de blanchir l'argent sur plusieurs petits comptes bancaires. Et combien ils passent chaque année? Je n'ai pas la moindre certitude, mais je dirais 500 millions de dollars par an pour Los Angeles. Mais on est des rigolos tout juste bons à passer l'argent de poche d'Eduardo Martinez, alors? Je dis ça, mais les estimations sont sûrement trop faibles. Sûrement beaucoup trop faibles. On vient de découvrir leur filière principale. Mais la moindre erreur et tout est par terre. Je veux savoir qui ils sont, où ils sont et tout ce qu'ils font. Et soyez très prudents. Voilà le proprio, Zwanchi, tu le vois? Ouais, tu t'es renseigné sur le bonhomme? Oui, j'ai pas trouvé grand-chose. Il est aux États-Unis depuis 10 ans, il a quitté New York il y a 3 ans. Sa patente de bijoutier est tout à fait en règle. Il s'est même débrouillé pour avoir un casier judiciaire vierge. Voilà, Campos. Il doit avoir une livraison à faire. Ça colle avec ce qu'on sait déjà. Bijoutier, en gros, c'est vraiment la couverture idéale pour maquiller des sambrotions en liquide. Un coup d'œil à l'intérieur? Oui. J'ai dit que je voulais acheter un lingot de métal jaune. Je me suis retrouvé dehors sans savoir comment. Mais j'ai pu regarder dans l'arrière-boutique. Et alors? J'ai rien vu. C'était sombre et il n'y avait pas de lumière. Mais j'ai une idée. On va arriver à les prendre la main dans le sac. Explique-moi ça. RB Sécurité, les caméras de Gilco ne marchent plus. Personne ne me l'a signalé. Voici l'ordre de réparation. Encore. J'y retourne. Si vous avez besoin de moi, je suis en bas. Vous savez où me trouver? Ouais, on trouvera. Il est parti, on peut y aller. Je crois qu'ils ont besoin d'une machine à compter les billets dans une boutique aussi pourrie. Ils jouent peut-être beaucoup au Monopoly. C'est celle-là, allez au travail.
Monsieur Chin ? C'est Larry, le gardien de nuit de la galerie des bijoutiers. Il y a deux ouvriers chez vous pour réparer les caméras de surveillance et... J'ai eu mon diplôme d'électronicien en 81. Et j'ai même failli me lancer dans la recherche. On commence à combien quand on est dans la recherche aujourd'hui ? Il vaut mieux faire plombier. Comme mon père, il m'avait proposé de travailler avec lui. Et voilà. Les mains en l'air ! Descendez ! Descendez ! Qu'est-ce que vous faites là ? On répare les caméras. Et pourquoi personne n'a été prévenu ? Je sais pas, Ne vous approchez pas ! Hé, du calme. On nous a dit de venir ici parce que les caméras étaient mortes. Et quand les caméras sont mortes, on les répare. Vous avez pas lu votre contrat ? C'est vrai que quelqu'un aurait dû vous le signaler. Mais c'est pas à nous qu'il faut venir se plaindre. Et ça vous donne pas le droit de nous menacer avec ce machin. J'ai peur des armes à feu, moi. Et j'aime pas avoir peur. Allez, on se tire, sa tête ne me revient pas. On lui réparera ses caméras quand il sera de meilleure humeur. Bien, j'en ai marre. Restez où vous êtes. Ah oui, et sinon vous tirez. Et comment vous expliquerez à la police que vous avez tué deux réparateurs de votre propre système de sécurité en service commandé ? Alors je vous souhaite bien du plaisir. Excusez-moi. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais retourner à la boîte. Et demain, on vous démonte tout. Si vous voulez pas qu'on répare, demain, vous n'aurez plus une caméra. Vous aurez l'air malin. J'ai fait une erreur, c'est ma faute. Je m'excuse. Allez au diable avec vos excuses. Je vous demande pardon, je vous laisse terminer tranquillement maintenant. D'accord. On veut bien terminer notre boulot, mais tout seul. Parce que si vous restez là à nous surveiller, moi je vous laisse avec la caisse à outils et basta. Non, on s'en va, on vous laisse tous les deux. Alors faites-le, je vous ai assez vu. Partez sinon on va s'énerver. J'ai jamais travaillé dans des conditions pareilles, moi. Je suis un pro. Tu es très fort. C'est une grande première, je suis fier de nous. On utilise leurs caméras de surveillance pour les surveiller. Ça, j'adore. Elle a bien pour 4 ou 5 millions ici. Et je parie qu'ils en écoulent autant toutes les semaines. Si on arrive à remonter leur filière et si on repère les bijoutiers qui leur servent de couverture, on démantèle tout le réseau. Et on finira par connaître toutes les ramifications du cartel. Hé, hey, mais qu'est-ce qui te prend ? On ne va pas arrêter Martinez à Aruba. Qu'est-ce que tu racontes ? Voilà un réseau qui coule 1 milliard de dollars par an, sinon plus, et on le laisserait filer uniquement pour Martinez. Si on arrête Martinez, on peut dire adieu à la mine. Il déménage dans les 24 heures. Mais, disons qu'on laisse encore Martinez courir. Disons qu'on est patient et qu'on mise sur la durée. On fait fermer toutes les boutiques de la mina et Martinez nous refile tout le travail. On remplace la mina et tout le fric du cartel passe par nous. Avec un peu de chance, on fait d'une pierre deux coups. La mina et Martinez, le grand chelem. Mais si on se plante, on perd tout. La vie est pleine de risques, Charlie. Et des risques que je préférerais pas courir. C'est toi le chef. Bah on le fait alors. Et Aruba ? Mais on y va, et comment ? Et toi, tu viens avec moi. Seigneur Martinez. Ah, enfin ! Monsieur Brown. Bon, ça va ? Ça va. Vous avez une vue superbe. C'est Aruba, ça, monsieur. Aruba présente effectivement de fort jolies perspectives en ce moment. Si vous avez des capitaux à investir, je vous conseille de venir par ici. Très intéressant. Et puisque nous sommes au cœur du sujet, 200 000 dollars sont à vous. Et ceci est un bordereau de versement qui prouve que l'intégralité de votre argent a bien été déposée sur votre compte bancaire à Panama. Ça m'est égal. L'argent ne compte pas, Eduardo. Et surtout quand il y en a aussi peu. Mais nous sommes des hommes d'affaires, vous et moi. Et je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Le plus important dans les affaires, c'est l'honneur. Quand vous aurez retrouvé votre argent à votre banque à Panama, vous nous rembourserez. En attendant, les bons comptes font les bons amis. Je ne suis pas un escroc. Je veux que vous le sachiez.
Vous êtes à quel hôtel? Nous avons des chambres en ville. Allez à la réception. Réservez les meilleures suites de l'hôtel. Vous les préviendrez que M. Brown et M. Carter sont mes invités. Reprenez votre mallette. N'aie pas peur de reconnaître mes erreurs, il m'arrive quelquefois de me tromper. Maintenant, à nous la belle vie. Tout est à vous, Aruba vous appartient. Plage, restaurant, casino, femme, ce que vous voulez. Mais nous ne voulons rien. Non, vous n'avez pas le droit de refuser. C'est moi qui invite. Messieurs, je suis très heureux de trinquer à notre future collaboration. À l'avenir. À notre avenir. Brigade des stupéfiants, que personne ne bouge, les mains en l'air! Pas de ça! On les tient! Emmenez-les dehors! Par ici la sortie. 403, ici 402. Objectif atteint. Très bien. Jake, Arrieta est composé dans la voiture bleue, rattrapez-les! Alerte générale à toutes les unités, Oldsmobile bleu immatriculé 2F comme Franck, E0450. Je répète, 2F comme Franck, E0450. De garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous devant un tribunal. Debout. Eh, ne m'oubliez pas. Merci, joli travail. C'est ce que j'appelle du beau boulot. 10 millions de dollars. Chi et ses copains, Campos et Argueta. On a vu pire comme résultat. Et c'est que la première course. C'est-à-dire? Ah oui, c'est vrai, tu joues pas aux courses, toi. J'ai tenté le doublé, et si j'en crois mon intuition, j'ai bien l'impression que j'ai parié sur un cheval gagnant dans la deuxième course. Martinez a téléphoné. C'est la troisième fois. Si tu réponds pas, il va piquer sa crise. Il dit qu'il veut te parler dès que possible. Et qu'est-ce que t'as répondu? T'es pas joignable. Faut le laisser mijoter. Nous allons coincer Martinez. On a la chance avec nous, je le sens. Martinez va aller rejoindre ses petits copains de la mina en cabane. Ça fait vraiment plaisir. Hé, hey Mike, téléphone. Qui c'est? Martinez. Je le prends là-haut. Bien, on a eu quelques petits problèmes récemment. J'ai un travail urgent à vous proposer. Un gros travail. Oui, un gros travail. Gros travail? Combien exactement? Ben, disons, 5 millions par semaine. Je ne sais pas si ça va être possible, je suis déjà débordé. Je pourrais augmenter votre pourcentage d'un ou deux points.
Ce qui m'inquiète surtout, c'est votre contact au Panama. Je propose de faire une réunion avec eux sur place. Pas question. Barco a finalement décidé de signer les traités d'extradition. Il faut qu'on se planque. Pas envie de me faire prendre en passant la frontière. Mais rien ne presse. Je vous rappellerai, vous aurez peut-être changé d'avis. Non, c'est maintenant ou jamais. Je n'ai pas de temps à perdre. Donnez-moi une réponse tout de suite. Les événements sont en train de se précipiter. Et inutile d'insister, je ne bouge plus de Colombie. Bon, d'accord, on va faire un effort parce que c'est vous. Il ne viendra pas ici, il n'ira pas au Panama. Il a l'intention de laisser passer la tempête. On l'a perdu, Mike. Il nous file entre les doigts. On l'a laissé partir, c'est fichu. Il va disparaître en Colombie. Quand je pense qu'on le tenait, j'en suis malade. Bravo. Eh oui, je sais. C'est malin, tiens. On vient de rater un des plus gros poissons du cartel. Inutile d'en rajouter, d'accord. Tout ça parce que t'as voulu financer. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai tenté le coup, mais les dieux n'étaient pas avec nous. Ce sont des choses qui peuvent arriver, cher collègue. Du calme, messieurs, du calme. J'ai vu de la lumière et j'ai eu envie de venir dire bonjour. Tu veux pas repasser un autre jour? Oh, j'ai une grande nouvelle sur Don José Rodriguez Gacha. Ou tu la fermes ou tu parles. Je comprends que vous voudriez la connaître, hein? Eh bien, voilà. Je sais où ce cher Don José se cache. Que c'est? Je sais pas encore. Tout est écrit en chiffres codés. Mais si on a jugé bon de les coder, c'est que ça vaut la peine de les décoder. On n'est pas tout à fait bredouille. On a dû le prévenir et il s'est tiré en vitesse, ça c'est un point. Seulement, il n'a pas pu emporter tous ses documents. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'en ai pas la moindre idée. Mais je vais m'arranger pour que tous les décrypteurs de la DEA se mettent à travailler dessus 24 heures sur 24, jusqu'à ce qu'on le sache. Je me cacherai plus, Pablo. Je compte sur toi pour redresser la situation. Je te dis qu'il faut frapper, et frapper fort. Oui. Tu as carte blanche. Ils nous forcent à nous tirer comme des lapins. Jamais je ne leur pardonnerai. Ils vont regretter de nous avoir menacés d'extradition. C'est vraiment pas juste, Roberto. J'arrive plus à boucler les fins de mois. Ils t'avaient promis une augmentation avec ta promotion. Ils nous augmenteront bien un jour, t'en fais pas. Oui, un jour peut-être. Mais c'est tout de suite que j'ai besoin d'une machine à laver. C'est vous, ils attaquent! Colonel Chavez. Mmh.
Le colonel Chavez. Aïe. Monsieur Vaughan. Le colonel Chavez était un brave parmi les braves. Et un très grand ami. Je vais avoir du mal à le remplacer, alors. Nous étions très différents, lui et moi. Dites-moi ce que je peux faire pour vous ce matin. D'après les nouvelles informations que j'ai en ma possession, je suis en mesure de vous dire que l'assassinat de Chavez a été personnellement organisé par José Rodriguez Garcha. Et quelles sont vos sources? J'ai peur d'être obligé de ne pas répondre. Vous comprendrez? Oui, bien sûr. Et vous comprendrez aisément que je préfère tenir mes renseignements de sources sûres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que vous ignorez que mes services se sont toujours révélés très précieux pour le colonel Chavez. C'est à moi que vous aurez affaire désormais. Je sais que Garcha a ordonné la mort de Roberto Chavez. J'ai juré d'avoir sa peau et je veux l'aide de votre service. Je suis désolé, mais vous avez l'air fatigué. Il faut vous ménager. Si j'étais vous, je demanderais un rapatriement d'urgence. Si on arrêtait de jouer au chat et à la souris, je veux Escobar. Et je veux Garcha. Et je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour... Non, je vais vous dire ce que vous êtes prêt à faire, monsieur Vaughan, vous et votre gouvernement. Vous êtes prêt à combattre le cartel jusqu'au dernier Colombien vivant. Parfait. Mais si nous devons mourir dans cette guerre, ayez l'obligeance de nous laisser croire que c'est de notre plein gré. Je suis depuis assez longtemps dans ce pays pour savoir que les gringos sont loin d'être appréciés par tout le monde. Mais là, vous dépassez les bornes. Et je me demande si vos motivations sont très claires. Les accusations que vous portez me semblent très graves. Si je ne vous fais pas jeter dehors par mes hommes comme je devrais le faire, c'est par respect pour Roberto Chavez. Je me passerai désormais de vous, monsieur Vaughan. Je vous interdis de remettre les pieds ici. C'est vu? Partez pendant qu'il est temps. Ne restez pas en Colombie, ça ne vous réussit pas. On a bossé 36 heures d'affilée sur vos documents. Et alors? J'ai réquisitionné la moitié des décrypteurs et les ordinateurs du centre pour aller plus vite. Mais ça a payé. N'allez pas me croire, mais maintenant le cartel va se retrouver sans un rond. Gardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Regardez vous-même. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dépêche-toi.
appeler la banque. Je veux parler au directeur. Et tout de suite! Non. Je vous appelle de Bogota, en Colombie. Oui, je voulais simplement consulter mes comptes et j'ai découvert, à ma grande surprise, que je ne pouvais pas y avoir accès. Ils sont considérés comme inaccessibles. Et oui, mon numéro 278-6820-9591. Oui, bien sûr, je reste en ligne. J'ai appelé à Singapour, sans résultat, il est minuit passé chez eux. Oui. Quoi? Mais c'est impossible, vous n'avez pas le droit! J'avais demandé à parler au directeur. Dites-lui de me rappeler dès son retour. Quelqu'un s'amuse avec nos comptes? Je ne sais pas qui, mais je veux savoir. On a besoin de liquide. On va clore la totalité de nos comptes étrangers tout de suite. On va transférer l'argent à notre banque de Panama où nous avons le contrôle. Allez-y, faites le nécessaire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je voudrais voir le directeur, s'il vous plaît. Urgent. Nous avons toutes les raisons de croire que l'un de vos comptes clients a été ouvert sous un faux nom et qu'il est destiné en réalité à couvrir des opérations illégales de blanchiment d'argent de la drogue. Mais ce n'est pas très régulier. Si vous avez des doutes, téléphonez à votre ministre de la Justice, il a donné le feu vert. Excusez-moi. Whitfield? Oui, passez-le-moi. C'est Vives. Mais pour quelle raison, enfin? Parce que j'ai des papiers sous les yeux qui viennent de me parvenir du gouvernement des États-Unis d'Amérique et qui m'ordonnent de bloquer votre compte. Mais je vous interdis de faire ça! Je n'ai pas le choix. Écoutez, Seigneur Whitfield. Je vais vous expliquer. Il ne s'agit pas de mon argent. Il appartient à l'homme pour qui je travaille. C'est l'homme le plus redoutable de toute la Colombie. Si vous ne me laissez pas récupérer son argent, il nous tuera moi, ma famille, tous mes proches. Puis-je vous suggérer de vous trouver un employeur moins excessif? Alors, monsieur Cerrone, où en étions-nous? Il faut téléphoner à Don José. Non. Seigneur Vives, il faut bien que quelqu'un lui apprenne. C'est ça. Je décroche mon téléphone, je lui annonce qu'on vient de lui piquer 200 millions de dollars. Vous êtes devenue folle, non? J'ai pas envie de finir à la morgue. Vous ignorez qui je suis, mais moi je vous connais. Et je crois que ça vous ferait du bien de parler à quelqu'un. Vous êtes à Costa Rica, vous êtes à l'abri. Alors parlez. Je me tue à vous le dire et vous refusez de l'entendre. Je suis un homme d'affaires respectable. Je suis diplômé d'université.
je ne survivrai pas à la prison américaine. Mais on n'est pas contrariés, on vous envoie chez vous. Gatsa doit avoir appris la catastrophe, alors si vous pensez survivre à ça... Vous êtes grillé, mon vieux. Ou vous travaillez avec nous, ou on vous lâche dans la nature. Mais j'ai toute ma famille en Colombie. Mes parents. Ma sœur. Nous les emmènerons dans un endroit sûr. Jusqu'aux États-Unis, s'il le faut. Je suis un homme d'affaires. Je place de l'argent. J'investis, je gère. Je ne suis pas un gangster. Le fric n'a pas d'odeur, mais le tien est quand même assez puant. Maintenant, on est prêt. T'as déjà vu la tête de décavé d'un type qui sort ses billets pour payer sa dose de coke? C'est insensé. J'ai jamais revendu de coke, moi. Bien sûr. T'es au-dessus de tout ça, toi. On a déposé une bombe à votre bureau. Il n'y a aucun survivant, sauf une de vos secrétaires. Je refuse de vous croire. J'ai la survivante au téléphone, Licia. Posez-lui la question. Alicia, vers quelle heure? Oh. Oui, d'accord. Mais au revoir. Que voulez-vous savoir? Où se cache Eduardo Martinez? Diego, c'est moi. Monsieur Martinez. Nous vous attendions. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes en état d'arrestation. Pour quelle raison? La police me reproche quelque chose? Pas la police colombienne. Mais la police américaine a un mandat d'arrêt contre vous. Vous serez extradé dans les 24 heures. Je veux parler à mon avocat. Vous négocierez votre défense avec la justice américaine. Embarquez-le. Eduardo Martinez, je vous arrête au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Votre escorte vous attend. Eduardo. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. J'ai commencé à trouver le temps long. Bienvenue dans notre troupure. On peut pas faire pire. T'as vu l'ambiance? Allez, allez, viens. Disons que notre capacité de production et transport est quasiment la même qu'avant. Nous avons suffisamment d'argent disponible pour payer les producteurs et faire fonctionner les labos. Pour combien de temps?
dirais 6 mois, c'est certain. Oh. Et peut-être 1 an, mais pas plus, en faisant attention. En tout cas, on n'aura aucune diminution du côté de la demande. Oui, mais tu oublies la concurrence, ils vont pas nous faire de cadeaux. Malheureusement, on va avoir des frais plus élevés, à cause de notre clandestinité. Notre installation va coûter très cher. Le prix de revient va augmenter de 100% environ. Il va nous falloir beaucoup d'argent liquide. Et avec Martinez en tôle et Vives dans la nature, l'accès à vos comptes bancaires va soulever pas mal de difficultés. Mais c'est pas vrai! Vous vous rendez compte? On n'a même plus d'argent liquide. Pourtant, on a des milliards de pesos. On a des réserves d'or qui valent des milliards. Ils sont cachés un peu partout en Colombie. Et j'arrive à peine à payer mes gardes du corps. Mieux vaut une tombe en Colombie, José, que la prison en Amérique. J'ai d'autres projets pour mon avenir. On va leur montrer de quoi on est capable. Je m'appelle José Rodriguez Gacha. Ah, ils essayent de nous intimider. C'est moi qui vais les intimider. Explosion à bord du vol régulier Bogota-Cali ce matin. L'avion a été littéralement pulvérisé quelques minutes après le décollage et les 107 passagers ont tous péri dans la déflagration ainsi que les membres de l'équipage. Dans l'après-midi, Radio Caracol a reçu un appel anonyme. Un individu non identifié a revendiqué l'attentat au nom d'un groupe qui s'intitule les Extradables. La police prend cette piste très au sérieux. Les plus grands soupçons pèsent en effet sur les chefs du cartel de Medellín. Le président Barco lui-même a fait le lien entre l'extradable. Pablo Escobar, José Rodríguez. Où sont les gardes du corps? Madame Vega, ouvrez! Qu'est-ce qu'on fait? Les grands patrons du cartel sont sous la menace constante d'une extradition vers les États-Unis. Oui. La justice américaine les a inculpés pour trafic de stupéfiants. C'est dommage. Être jugé. Je suis désolé de vous avoir effrayé comme ça, Sonia. Mais j'ai dû agir très vite. C'est moi qui vous ai envoyé la camionnette de la DEA. C'est juste une précaution. Prenez quelques affaires, nous vous ferons suivre le reste de vos bagages. Mes hommes savent vous conduire. Qu'est-ce que vous avez appris exactement? Je veux savoir s'il y a une menace précise. On parle un peu trop de vous en ce moment. C'est maigre comme information, mais vu l'ambiance qui règne en Colombie, j'ai préféré prendre les devants avant qu'il soit trop tard. On ne sera donc plus jamais à l'abri de ces fous. Faites vos bagages et faites-les vite. Vraiment, je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Signé Gacha. On ne sait toujours pas où il se cache? La jungle est un labyrinthe où on peut disparaître pendant des années, et même pour toujours. Vous ne m'avez pas dit ce que vous pensiez, l'Esperanza. Il est totalement dépourvu d'humour. J'étais avec lui à l'école militaire. Ça n'a pas vraiment collé entre nous. Il est efficace, intelligent, et très honnête. Je peux vous l'affirmer, il a le sens du devoir. Il vous a parlé de moi. Vous avez deviné. Il n'aura plus tellement l'occasion de le faire. Pourquoi? Je pense que je vais faire une demande de rapatriement. Très bientôt, je crois. Dommage. Chavez me disait que vous étiez le meilleur flic qu'il ait connu. Le doute est humain. Et moi-même, il y a des jours où j'ai des doutes sur mon métier. Je voulais vous informer. Le général Esperanza prépare une expédition contre Gacha. Je vous avais pourtant dit de ne pas revenir ici. Appelez-moi demain. Vous préparez une opération contre Gacha? Je veux en être. C'est tout à fait impossible, n'insistez pas. Esperanza! Oubliez 2 secondes que je suis un Américain. On est tous les deux des flics. Ça fait 3 ans que je me crève pour le coincer. Ce salopard a tué mon seul ami. J'ai beaucoup perdu dans cette histoire. Si Gacha supervise personnellement ce chargement, c'est parce qu'il est à court d'argent frais. Et pourquoi est-il à court d'argent frais? Parce que c'est nous qui avons bloqué tous leurs comptes. J'ai le droit de venir. J'ai le droit de venir avec vous pour sa capture. Je ne souhaite pas votre présence. Eh oui, c'est ça.
Mais vous ne m'en empêcherez pas. L'amendement Mansfield ne permet pas à un policier américain de participer à un raid aérien en territoire étranger. Je m'en tamponne, moi, de l'amendement Mansfield. Je m'en tamponne de vos histoires de loi. D'homme à homme, dites-vous bien qu'il n'est pas question que je reste sur la touche. Et maintenant, vous comprenez ? Général ? D'accord. Venez. Dirigez-vous vers Tolu, mais ne dites rien à la tour de contrôle sur notre nouvelle destination. Entendez ? On doit se méfier des contrôleurs. Dans cette partie du pays, les hommes d'Escobar sont infiltrés partout. Cartagena, la tour de contrôle demande pourquoi on a changé de route. Essayez de les faire patienter, dites-leur qu'on s'est perdu et qu'on cherche notre direction. Cartagena, Cartagena, sommes égarés, cherchons direction. Tout à l'heure, et je la vois plus. La camionnette rouge!
Sonia, c'est Tom Vaughan. Je suis tellement contente de vous entendre. C'est joli, Baltimore? C'est loin de Bogota. Il y a du nouveau et je tenais à vous appeler avant que ça passe à la télé ou à la radio. On a eu José Rodriguez Gacha. Où ça? Et quand? Je ne peux pas vous donner plus de détails. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et Pablo Escobar? J'ai un mauvais pressentiment quand je pense à lui. Si vous voulez mon avis, il ne m'a pas oublié. José Gacha. Le trafiquant? Je crois que c'était un homme important. Plus maintenant. J'ai téléphoné au moins 10 fois. Tu ne répondais pas, j'ai compris que tu serais ici. J'ai appris qu'Escobar ne ferait pas plus de 5 ans. On lui a même construit une prison personnelle où il aura tout le confort. La première prison 4 étoiles du monde. Qu'on permette ça à un meurtrier. Quand on sait le nombre d'assassinats qu'il a commis, c'est complètement dingue. Cet individu a terrorisé tout un peuple, corrompu son propre pays, et il va purger une peine ridicule. Ça me rend folle. Ça se passe pas comme dans les contes de fées. La morale qui triomphe, les gentils qui gagnent à tous les coups. Les bons vainqueurs, les méchants punis. Tu n'as pas l'impression d'avoir lutté en vain, Tom? Non. Je vais te dire ce que je crois, moi. Je crois que si Escobar a fini en prison, c'est grâce à Orlando Sarmiento qui a eu le courage de l'attaquer en première page. Je crois que sans des gens comme lui ou Sonia Pérez Vega, il serait encore libre. Je suis sûr, moi, que Roberto Chavez n'a pas mené son combat en vain. Sa mort, ça signifie quelque chose. Ce sont tous des hommes de cœur qui ont voulu mettre fin à la violence. Ils ont choisi leur camp. Ils ont mesuré les risques et ils ont tout sacrifié. Même s'ils savaient que ce monde n'est pas parfait, ils ont fait leur devoir. Mais ce n'est pas à cela que je pensais en regardant la mer. Je me demandais seulement si tu savais que je t'attendais. Je regardais les vagues avec mélancolie. Et en même temps, je sentais que je te retrouverais. Alors, quand j'ai compris que tu étais là derrière moi, j'ai commencé à revivre.